Bon, alors, je l'ai pas fait ce matin, c'était très mal poli. Je l'ai fait par un accro, c'est-à-dire remercier de l'invitation. Alors, moi, je n'appartiens pas à l'association, mais j'ai participé à un certain nombre des événements organisés par l'association, et notamment, entre autres, la table ronde annuelle à Educatech et d'autres à Paris, à Semon aussi, il y a quelques années. Alors j'ai tiré de cette expérience de quelques interventions que ce forum serait peut-être un espace de liberté qui me permettrait de faire abstraction des contraintes académiques habituelles et de dire un peu n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais de ne pas respecter le formalisme de la recherche, des résultats, de la rigueur scientifique et de me laisser un peu aller à être la mouche du coche. Ce que j'aime bien faire, ou le poil à gratter, mais ça peut-être pas avec vous, ça va pas être beaucoup, je pense. Alors, la première chose, c'est que le titre de mon intervention, qu'on va revoir, mais que vous avez sur le programme, ne semble pas s'inscrire dans le thème de la journée. C'est la première liberté que j'ai prise, c'est pas une vraie liberté, parce qu'en fait, je vais tout faire pour rapprocher le thème de l'éthique que je souhaite aborder, de l'éthique pour une éthique professionnelle du numérique dans l'éducation, le rapprocher du titre et du thème de la journée « Hybridons les cultures ». Alors, je m'inscris complètement, je vais pouvoir éliminer une partie des propos que je souhaitais tenir, parce que je m'appropriais ce qui a été dit juste avant. Et en particulier sur le pitch de base, hein, nous sommes tous des hybrides, alors pas tout à fait quand même. Ça a été dit, le potager, les plantes du potager, la voiture, sauf la mienne que tout le monde a maintenant vue, elle est rouge, elle n'est pas hybride, et je n'aurai jamais une voiture hybride, au sens où on entend dans la publicité sur... Bon, je ne peux pas commenter ça. Et les illustrations de mon PowerPoint ne sont pas vraiment hybrides, mais c'est une collaboration compliquée, pour moi en tout cas, avec une intelligence artificielle dont on parle beaucoup, que vous avez peut-être utilisé, qui s'appelle Midjourney, et la complicité involontaire de quelques artistes, pas moi bien sûr, et en particulier un, je crois qu'on peut le reconnaître en fait. Alors le visage, c'est le visage retravaillé de François Mauriac, hein, mais l'environnement graphique, hein, c'est l'environnement graphique d'Enki Bilal. Et j'ai utilisé la même logique pour les images qui viennent. Ça va expliquer sans doute que je ne m'inscris pas non plus dans la vision positive appelée par Michel à deux reprises depuis ce matin, pensons positif, parce que Enki Bilal, il y a une vision un peu noire du futur, et donc les images qui vont accompagner mes propos reflètent cette noirceur, cette vision du futur par laquelle chacun pourra se positionner. Donc, moi je vais avoir quand même une présentation un peu plus restrictive de l'hybridation et de l'éthique vis-à-vis de ce concept d'hybridation. Restrictive, c'est-à-dire penser plus éducation et numérique dans l'éducation, qui est le seul sujet dans lequel je sais deux, trois trucs. Et je vais essayer de partager ici. Et si on restreint, mais ça aussi c'était dit, mais je voudrais insister, si on restreint au champ de l'éducation et de la formation l'utilisation des mots hybride et hybridation, le produit, le processus et le produit, quand on fait l'histoire de l'utilisation de ces mots dans le champ de l'éducation au sens large, on voit qu'il est apparu sous la plume et dans la bouche des chercheurs et des praticiens d'enseignement à distance. Et d'ailleurs, cette référence a aussi été faite indirectement tout à l'heure à l'enseignement à distance. Et donc, c'était un peu un mot propriété de chercheurs de ce domaine qui l'ont conceptualisé, pas vraiment de la façon dont il a été présenté tout à l'heure, parce que c'était dans un contexte particulier qui était celui de la formation à distance. Alors je pense en particulier là, on pense toujours aux travaux de ses amis, hein, donc je pense aux travaux de mes amis, mais il y en a d'autres, et donc en particulier les travaux d'un consortium d'universités et de chercheurs qui il y a maintenant une bonne dizaine d'années, hein, un peu plus, sous le nom de consortium ISUP, que beaucoup appellent AISUP, parce que c'est écrit HYSUP, mais c'est hybridation dans le supérieur, et c'était un réseau francophone. Et avec des chercheurs comme Daniel Peria et Bernadette Charlier, et d'autres,
ils étaient assez nombreux, j'ai pas participé à ce projet moi, et qui ont vraiment mis en évidence les déterminants des processus d'hybridation dans l'éducation avec le numérique, et qui ne se résument pas à la distance, au sens de la distance physique. Il y a d'autres distances, d'abord, relations relationnelles, cognitives, sociales. Et puis, il y a d'autres déterminants, comme par exemple la nature des activités, l'organisation, le partage des tâches, tout ça sont des éléments qui relèvent de l'hybridation. Il y a un élément important, d'ailleurs, que je voudrais aussi souligner, c'est que souvent, lorsque l'on évoque l'hybridation dans cette dimension des formations à distance, on oppose avec cette hybridation quelques catégories d'organisation de ces formations, dont deux tout à fait typiques ou archétypiques, qui seraient les formations qui seraient entièrement en présence, dites présentielles, et les formations qui seraient entièrement à distance et qui seraient donc distancielles. Comme si présence et distance s'opposaient. Et en fait, bien sûr, ce qui s'oppose à la présence, ça n'est pas la distance. C'est l'absence. Et donc ça c'est un petit détour aussi terminologique qui n'est pas sans importance. Donc toutes sortes d'autres variables ont été identifiées à cette époque, disons jusqu'à une quinzaine d'années, beaucoup d'articles scientifiques, beaucoup de travaux, beaucoup de publications, beaucoup de pratiques aussi. Et puis est arrivé, ça a aussi été signalé, comme un peu une sorte de... Il y a des références bibliques ce matin dans les présentations, comme une sorte de l'an zéro, à partir duquel on va pouvoir compter les années, qui est l'année zéro Covid, hein, où tout aurait changé, et l'hybridation serait née presque là, en 2020. 2019, 2020, je ne sais pas. Donc Covid-19, 2020. Et d'ailleurs, quand on regarde, j'ai eu l'occasion de le faire récemment, une revue de littérature de la presse grand public, de la presse quotidienne, la presse nationale, la presse d'actualité de l'époque, quand elle parlait de l'éducation et de cette merveilleuse terminologie franco-ministérielle continue et pédagogique, arrivait systématiquement avant ou après hybridation. Et c'est assez intéressant parce que quand on lit ces articles et quand on lit aussi les textes, notamment les textes institutionnels du moment, eh bien, on a pu se rendre compte que l'hybridation ne voulait pas dire la même chose, ne voulait pas dire grand-chose en fait. Ne voulait pas dire la même chose selon les gens qui utilisaient ce mot, ce qui, on sait bien, a un côté assez pratique, parce que ça a permis à des gens qui ne se seraient pas entendus de se parler avec les mêmes mots, tout en disant autre chose que les autres et sans se rendre compte toujours que les autres disaient autre chose que ce qu'ils disaient. Finalement, c'est une bonne méthode pour pouvoir se supporter et travailler ensemble. Je crois qu'il y en avait vraiment besoin à ce moment-là. Alors, moi, je vais donner peut-être une définition de l'hybridation un peu extensive aussi, moins précise que celle des chercheurs dont je parlais tout à l'heure, peut-être plus proche de celle que Franck a dans une autre perspective à donner tout à l'heure. Je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître dans l'hybridation un processus, que le processus il est entre les mains des acteurs de l'éducation, à commencer par celle des enseignants, et que si on veut être très positif et reprendre dans cette perspective positive l'idée de la créativité qui a été énoncée ce matin et tout à l'heure aussi, la créativité, elle est justement dans le processus d'hybridation, et le processus d'hybridation, au fond, n'est que le processus d'ingénierie pédagogique dont l'enseignant doit se saisir pour créer l'expérience d'apprentissage optimale de ses élèves. Là, je parle de l'enseignant, mais bien sûr qu'on pourrait, on peut tourner la page, en fait, comme je disais, les images, on peut les tourner de temps en temps. Les mots qui sont dessus sont un peu en rapport avec le plan de mon intervention, mais un peu seulement. Et donc, ça, c'est une petite insiste quand même, cette image, elle n'est créée qu'avec quelques mots soumis à Midjourney. Les mots, je ne me souviens plus exactement, mais j'ai fait ça hier après-midi. C'est concept, représentation du concept d'hybridation à la manière d'Enki Bilal dans le futur.
à d'autres mots près. J'aimerais bien qu'il regarde ces images, Yemki Bilal, pour savoir si l'ANAE doit lui payer les droits d'auteur. Ce que dit Midjourney, c'est que je suis propriétaire de l'image à condition de dire que je l'ai fabriqué avec Midjourney. Donc, comme je l'ai fait, c'est bon. Et j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire, ou presque, je l'ai dit. Voilà. Alors, là, l'articulation de mon propos, c'est que dans le discours politique et institutionnel au moment du Covid, l'hybridation a été extrêmement utilisée et a été accompagnée de phrases avec trois autres mots qui ont été répétés à l'envi, y compris lors des états généraux du numérique pour l'éducation qui ont suivi les phases de confinement, qui disaient « avec le confinement et l'hybridation obligatoire de la continuité pédagogique et tous ces enseignants qui ont joué le jeu ». De façon très compliquée pour eux, qui se sont vraiment engagés, qui se sont démenés, ça, je pense que ça a été bien observé, on l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais certains l'ont oublié, mais c'est la réalité en tout cas que nous observions à Techné. On a suivi toute une série d'écoles pendant tout le temps du confinement, de Techné c'est bon là. Et donc la phrase c'était, avec le confinement et l'hybridation qui a été nécessaire pendant ce confinement, nous, le système éducatif, nous avons gagné 10 ans. Nous avons gagné 10 ans avec une accélération de la transition numérique de l'éducation. Et lorsqu'on va sur le terrain, lorsqu'on allait sur le terrain, lorsqu'on va sur le terrain aujourd'hui, et à Techné, on est des chercheurs de labo, mais on est aussi des chercheurs de terrain, on va beaucoup dans les classes et ailleurs, dans les exploitations agricoles, pour les vendangeuses, je le disais ce matin, mais encore plus souvent dans les classes, des écoles, collèges, lycées. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas eu cette... Alors, je ne vais pas commenter trop les mots transition, gagner, 10 ans, et d'autres mots accélération, qui me semble être un vocabulaire qui ne correspond pas tout à fait à ce qui se passe à l'école, enfin, dans le système éducatif. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que il s'est passé beaucoup de choses. Les enseignants ont imaginé avec beaucoup d'ingéniosité, ont bricolé avec beaucoup d'ingéniosité le peu dont ils disposaient, le peu d'éléments dont ils disposaient, le peu de compétences dont ils disposaient. Ils ont fait des merveilles compte tenu des moyens très limités donc qui étaient à leur disposition. Ils ont appris beaucoup, mais quand on regarde le résultat de ce processus, enfin l'étape de ce processus aujourd'hui, désolé de ne pas être très optimiste, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est-à-dire que si on suit, j'ai les 10 mouches du coche, pour la gratter, si on va dans les écoles dans lesquelles se sont réalisés les reportages pour la télévision, les documentaires pour les opérateurs de l'État, les discours des grands décideurs de l'État, on a gagné 10 ans au moins. Quand on va dans des écoles que l'on d'échantillons construits selon des variables sociodémographiques au hasard, pardon, les variables sont pas au hasard, les écoles sont au hasard à partir de ces variables. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans une école où on nous dit d'aller parce qu'il se passe quelque chose. On va dans une école. Et là, on se rend compte que le numérique a finalement peu de place et que les pratiques des enseignants ont peut-être un peu, sans doute, un peu évolué, changé. Progresser, on ne peut pas me esquiver trop à dire progresser, mais pas tant que ça. Et la question, c'est de savoir pourquoi. Et en fait, voilà où je vais essayer de glisser l'idée d'éthique là-dedans. Et on peut tourner la voici. Ça, c'était pour dire que l'hybridation, ça arrive trop tard, hein, c'est de ma faute, c'était l'alpha et l'oméga du discours institutionnel en tout cas. Donc, la question, c'est au-delà de ce qui se voit comme ça au premier regard, de ce qu'on peut quantifier facilement, c'est-à-dire au-delà des problématiques d'équipement. Des équipements, il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu, il n'y en a sans doute pas assez, il en faudrait plus. Enfin, c'est difficile d'avoir les bonnes métriques, mais en tout cas, on pourrait se dire que le peu d'usage correspond au peu d'équipement. On pourrait aussi dire, plus certainement d'ailleurs, que le peu d'usage est lié au peu de formation.
Je pense que certains dans la salle sont très bien placés pour savoir que la formation des enseignants et des futurs enseignants à l'ingénierie technopédagogique est, je ne sais plus si c'était masculin ou féminin, ce que j'ai dit, indigent ou indigente. Ils ont indigent, tout à fait, la formation. Et pourtant, ça ne suffit pas. Notre analyse, ça ne suffit pas à expliquer le pourquoi du si peu d'appropriation. Je disais qu'on travaillait sur l'appropriation ce matin. Et il me semble que, encore une fois, positionner la question sous l'angle de l'éthique, je vais vous donner le sens que je donne à l'éthique dans ce contexte, peut être une façon d'avancer dans la compréhension de ce déficit d'appropriation. Alors, ce n'est pas en considérant l'éthique, en repliant l'éthique sur les problématiques liées aux craintes qui sont légitimes, mais qui nous encombrent aussi, quant aux usages potentiellement dangereux que les enfants pourraient faire, les adolescents pourraient faire du numérique, et qu'ils font sans aucun doute du numérique. Je renvoie à la présentation que tu as faite tout à l'heure. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je pense que tu partages aussi que le but de ça, c'est pas seulement de faire face à des dangers, c'est plutôt à l'envers, de permettre, à l'inverse, de permettre aux jeunes d'avoir des usages vertueux, pas vertueux pour nous, vertueux pour eux, c'est-à-dire qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent en faire au service de leur propre projet et de leur propre réussite, que la réussite soit personnelle, scolaire, citoyenne, et toutes les dimensions de la réussite. Et ce qui me fait dire ou préciser que l'éthique, là, c'est pas non plus, ça ne va pas être replié sur les questions qui ont aussi été évoquées, qui sont très importantes, qui sont partie de ce que je viens de dire, et qui sont toutes les questions relatives à l'identité numérique, à la protection des données personnelles des élèves et des autres, pour le dire d'une autre façon, au respect de la loi informatique et liberté. C'est liberté surtout, avec un S dans la loi, et à l'application du RGPD. Bon. Ce sont des cadres qui sont tout à fait essentiels, bien sûr, mais je pense qu'ils sont parfaitement insuffisants. Et d'ailleurs, je l'ai fait en aparté, je relève que j'ai la chance, l'honneur, le plaisir de faire partie du comité d'éthique sur les données d'éducation, avec Michel, qui en fait partie aussi. Et pas très certain, j'y travaille efficacement, c'est sûr, je travaille inefficacement, mais pas très certain d'être en phase avec ce qu'est un comité d'éthique sur les données d'éducation attaché au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, parce que la commande de l'État au plus haut niveau, là, parce que c'est le ministre, elle est quand même très centrée sur replié, fermé sur cette question des données, alors que la question de l'éthique est bien sûr bien plus large que celle-là. Et du coup, je leur fais publiquement là, c'était remercier Michel qui coanime l'un des groupes de travail du comité d'éthique, qui travaille, le titre est pas bon, tu le disais tout à l'heure, sur le métavers, et qui a remis une première liste de recommandations, de points d'alerte, et qui sont des points d'alerte qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus intéressants que ce que je viens de dire comme trop étroit, et en particulier sur les questions de formation, d'éducation, la prise en compte de l'équité sociale, des problématiques d'équité sociale, etc., qui me semblent bien plus importantes que les techniques numériques soient accessibles, par exemple, à tous les élèves, quels que soient leurs milieux sociaux. C'est une vraie question éthique. Largement autant que de vérifier qu'en utilisant Google, ils auraient peut-être laissé des données personnelles qui seraient gênantes si elles étaient utilisées par d'autres, et qui seraient gênantes que ce soit vendu, commercialisé, marchandisé par Google, ce qui me semble être un problème important, mais moins important finalement. Donc voilà, le lien, j'en reviens au lien, un peu dit ce que je n'entendais pas par éthique. Alors, qu'est-ce que j'entends par éthique? C'est la capacité d'une personne à prendre des décisions et à répondre à des questions complexes, alors que la réponse à la question n'existe nulle part ailleurs que dans la tête de celui qui l'a construit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles assurées, c'est pas univoque. On ne peut pas seulement appliquer des lois, on ne peut pas seulement appliquer des lois au sens de la loi du droit, ou des lois naturelles, ou des lois de la science. Et il faut composer avec différents éléments pour prendre des décisions. Et qu'est-ce que
qu'est-ce que l'hybridation ou les choix d'ingénierie pédagogique ou les choix pédagogiques tout simplement d'un enseignant, si ce n'est à chaque moment prendre des décisions pour rendre la meilleure possible l'expérience d'apprentissage de l'élève et des élèves, sachant que cette question, la question de l'apprentissage est une complexité telle qu'il lui est impossible de répondre à cette question de façon certaine en appliquant des règles simples. Donc il y a une part peut-être aussi d'hybridation là-dedans entre des choses qu'il doit faire, on lui demande de les faire, des choses qu'il sait faire, des choses qu'il a lues, et beaucoup, j'ai beaucoup apprécié ce trait-là de la définition tout à l'heure de l'hybridation, beaucoup d'incertitudes. Donc l'éthique, là, c'est aussi la nécessité, la capacité de prendre des décisions dans une situation complexe et très, très incertaine. Et donc, quand un enseignant conçoit son enseignement, les activités d'apprentissage, quand il procède à ces hybridations en jouant avec tous les ingrédients qui sont à sa disposition, il est dans une situation éthique. On peut peut-être tourner la page, s'il te plaît. En fait, je vais aller plus vite, je vais tourner la page après. Merci. Voilà. Et il est dans une situation, et c'est là où le cœur de mon argumentation, j'espère que ce n'est pas trouble, pour l'instant c'est trouble, je le sens, c'est pas très clair ce que je dis. Il doit faire des choix. L'éthique, c'est donc faire des choix avec les éléments dont on dispose. Et pour faire des choix, l'enseignant dispose d'un certain nombre d'éléments, et à commencer par les cadres politiques et institutionnels qui définissent son métier. Des cadres qui sont... j'ai du mal à réussir à convaincre Midjourney de faire une image avec des cadres qui étaient intriqués et au travers desquels ils pouvaient voir rien. Et bon, j'ai fait pas mal d'essais. Ça m'a pris du temps. Il est hérétif, Midjourney. Où il est hérétif, je ne sais pas, cette intelligence artificielle. En tout cas, les cadres dont dispose l'enseignant, c'est quoi ? Quels sont ces cadres ? Le premier, c'est les cadres de son employeur. Son employeur, que ce soit son employeur au sens politique, le ministre, ou même le gouvernement, le chef de l'État, et puis la traduction institutionnelle de ça, avec tout l'appareil de l'éducation nationale, je parle de la France, ça peut être différent ailleurs, mais enfin, je pense que ça peut se ressembler aussi, avec une traduction plus ou moins fidèle hein, des intentions politiques, en tout cas. Ça se traduit par des disciplines, des programmes, des recrutements, un certain nombre d'éléments de définition de la façon dont ça se passe sur le terrain, donc ça doit se passer. Et il en va de toute l'éducation, il en va du numérique dans l'éducation en particulier. C'est-à-dire, là, il devrait y avoir un projet politique pour le numérique dans l'éducation, une traduction opérationnelle par l'institution, constituant des cadres lisibles, visibles, lisibles pour l'enseignant. Alors, ces cadres-là, ça peut aussi s'entendre avec un concept sociologique qui est celui des cadres de l'expérience, hein, d'Erwin Goffman. C'est sur les cadres par rapport auxquels on agit. Alors, on peut être fidèle au cadre, on peut avoir des enseignants qui sont le petit doigt sur la couture du pantalon, qui vont exécuter exactement les directives qui lui seront fournies. D'autres qui vont peut-être pas faire abstraction de ces consignes, de ce cadre, mais en tout cas construire leur point de vue et leur action et leur réponse opérationnelle par rapport à ce cadre. C'est exactement la même chose que la culture et la contre-culture. On se positionne par rapport à un cadre culturel. La difficulté aujourd'hui, et on a fait une étude à ce sujet, pas encore publiée, mais ça n'a pas tardé, avec tout un panel d'écoles primaires, c'est que d'enseignants d'écoles primaires, dans des écoles primaires, 26 écoles primaires de Gannes et du Val-d'Oise, des départements de Gannes et du Val-d'Oise, c'est que, interrogés sur la connaissance qu'ils avaient des intentions d'État et du cadre institutionnel, on pense des jeux de pourcentage tout à l'heure, moi je ne fais pas de jeu, 100% de ceux avec qui on avait des entretiens nous ont dit ne pas connaître les attentes de leur employeur. 100%. Donc, ils les ont imaginées, vous ne les connaissez pas, mais ça pourrait être quoi ? Et elles sont très difficiles à imaginer. Tant du
vue très pratique, hein, qu'il faudrait faire ceci, il ne faudrait pas faire cela, on aimerait que ceci, on aimerait que ça, mais même au niveau des valeurs. Quelles valeurs sous-jacentes seraient constitutives, constructives de la politique de l'État, s'agissant du numérique dans l'éducation, et de l'organisation institutionnelle qui en résulte. 100% de ces gens-là ne connaissaient pas. Alors, on va faire un test ici. Est-ce que vous pourriez lever le doigt, pardonnez-moi de la démarche, ceux qui ont lu la stratégie de l'État pour le numérique à l'école? On n'est pas représentatif. Voilà. Non, bien sûr, vous n'êtes pas représentatif. Il n'empêche qu'il n'y en a quand même pas la moitié, quand même, hein, qui ont levé le doigt. Bon. Vous n'êtes pas obligé de la dire en sortant de cette salle, de mon point de vue. Donc, un cadre pas connu, enfin même inconnu, donc ça veut dire que les enseignants sont ne sont pas dans l'incertitude, parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a un cadre. Et il est très difficile de construire son action par rapport à un cadre que l'on ne connaît pas. Vous tournez, peut-être. Je ne sais plus après ce que ça donne. Quand on leur demande d'imaginer ce que pourrait être ce cadre, les enseignants ont tous, bien sûr, c'est normal, une représentation de ce qu'il pourrait être. Il est plutôt du côté des valeurs quand il est formulé. Et puis il est aussi avec une formule qui a été utilisée presque toujours dans les réponses qui nous ont été données, et qui est une formule qui ne veut pas dire grand-chose, mais je comprends bien qu'il l'utilise, et qui est la place et le rôle du numérique, la justification pardon, du numérique dans l'éducation, à l'école en particulier, c'est en raison de la nécessaire modernisation et modernité de l'école. Vous voyez, ce qui ne constitue pas vraiment un cas. Et donc, vous voyez, première difficulté, ça c'est la difficulté qui vient d'en haut, j'ai envie de dire, si vous pouvez tourner en choupant. Ouais, non, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. Je vais mélanger les images, donc je les retrouve dans mes propos. Je n'ai presque terminé. Alors, je le disais, hein, juste pour aller à la fin, cette image-là. L'enseignant, il a du mal à se positionner parce qu'il ne dispose pas de ces cadres-là. Les seuls cadres dont il dispose, ce sont les siens. Les siens, c'est ce qu'il en pense lui. C'est donc son identité professionnelle. Certains diraient sa professionnalité, c'est-à-dire ses compétences spécifiques d'enseignant, plus son identité propre, n'ayant pas à voir qu'avec l'école, donc ses valeurs personnelles, etc. Et on voit aussi, en interrogeant les enseignants qui utilisent le numérique, en leur demandant pourquoi, pas un pourquoi pratique, pas un pourquoi pédagogique, un pourquoi plus idéologique, les raisons qui motivent l'utilisation du numérique par les enseignants est très variable, et fait appel à des valeurs. Souvent, on parle l'inclusivité, l'équité, la prise en compte du handicap, l'individualisation, la personnalisation, c'est le genre de concepts et de raisons qui sont énoncés. Si j'en reviens à ma définition d'éthique pour conclure, la capacité de l'enseignant à faire ses choix et les opérationnaliser par rapport au cadre qui lui arrive de son institution, et par rapport aussi à ses propres valeurs, je l'ai dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, les enseignants puissent pleinement exercer cette démarche éthique, prendre leurs responsabilités, avoir cette créativité nécessaire pour répondre à leur façon du mieux possible aux problèmes complexes d'apprentissage qu'ils doivent résoudre tous les jours. Eh bien, les ingrédients, je pense, sont assez évidents. Alors, il y a ceux avec lesquels on répond toujours, c'est pour pouvoir réfléchir à tout ça, il faut bien sûr que je sois bien équipé, bien formé, d'accord. C'est pas le cas, il va falloir le faire. Mais il y a sans doute un autre élément qui est extrêmement important et qui est que les enseignants aient la marge d'initiative nécessaire pour exercer cette responsabilité éthique. La responsabilité éthique ne peut pas être prise en charge par l'institution. Elle est individuelle, elle est bien sûr, elle s'exerce dans le cadre de l'institution.
On pourrait peut-être dire que la responsabilité éthique est synonyme de la liberté pédagogique, et la liberté pédagogique n'existe que dans le cadre des contraintes de l'école. Mais pour ça, il faudrait que cette marge d'initiative soit réelle. Et là encore, je pense que c'est porte ouverte, hein, elle ne l'est pas. En tout cas, dans l'enseignement primaire, elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on a affaire à une situation absolument terrifiante, avec un cadre institutionnel faible, mais très impérieux, très impératif quand même, très embrouillé, mais très hiérarchique, et des enseignants qui, pour l'essentiel d'entre eux, ne sont pas en mesure de prendre une initiative, non pas seulement parce qu'ils n'ont pas les équipements ou pas les compétences, mais parce qu'ils n'ont pas l'espace de manœuvre dont ils auraient besoin pour le faire. Donc, il me semble qu'il y a deux éléments particulièrement importants qui sont... il faut construire ce cadre politique institutionnel dont je dis qu'il n'est pas visible parce qu'il existe peu. Je ne pense pas qu'il puisse être construit d'une autre façon que collégialement. Je ne pense pas que le ministre, ni même le directeur de l'école pour l'éducation, disposent dans leur tête tous les éléments pour élaborer ces éléments politiques. Je ne pense pas non plus que les enseignants en disposent, et je ne pense pas non plus que tous les autres acteurs de l'éducation en disposent. Je pense que la meilleure configuration qui puisse être imaginée pour construire un projet politique, pour penser la place du numérique à l'éducation dans l'éducation, c'est de faire ensemble. C'est pas tout à fait la dynamique politique du moment, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire, d'autant plus qu'il va nous falloir tenir compte, ça a été dit ce matin, de contraintes qui sont des contraintes économiques, de contraintes environnementales qui sont de plus en plus fortes et qui ne sont pas non plus vraiment intégrées dans le débat public sur le numérique dans l'éducation. Donc d'un côté, construire collégialement un cadre pour tous, et puis à l'autre bout, tout en bas, en quelque sorte, le remballe étant pas péjoratif bien sûr, c'est aussi construire l'espace donné, formaliser, reconnaître l'espace individuel de chacun pour travailler. Et je vous remercie. Merci.